Salut, comment ça va? Aujourd'hui on est le 1er décembre et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est la première vidéo d'une série de 24 vidéos parce que pendant ce mois de décembre, je vais sortir une vidéo par jour jusqu'au 24 décembre. Et dans chaque vidéo, je te présenterai une pellicule avec les photos que j'ai faites avec et à la fin on fera un petit débrief de ce que je pense de la pellicule. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te parler d'une pellicule assez connue, la Ilford HP5+. Je dis bien connu parce que Ilford, c'est une compagnie qui a été créée à Londres en 1879, donc c'est très très vieux comme tu peux le voir. Et la Ilford HP5 descend d'une grande lignée de pellicules qui est la Ilford HP. Donc HP, ça vient de Hyper Sensitive Panchromatique. Donc panchromatique, c'est les pellicules noir et blanc. Et Hyper Sensitive, c'est pour très sensible, même si quand elle est sortie en 1935, elle était seulement à ISO 160. Elle a ensuite été remplacée seulement 4 ans après par la Ilford HP2, qui elle était à ISO 200. Puis, en 1941, elle a été remplacée par la Ilford HP3, qui elle était cotée à ISO 125, puis quelques années plus tard à ISO 200. Et enfin, elle a fini par être reclassifiée à ISO 400, donc comme la HP5+, que j'ai juste là. Après être passée par la Ilford HP4, c'est en 1989 que Ilford a introduit la HP5+, qu'on connaît aujourd'hui, et c'est pour ça que j'ai dit que c'était une pellicule bien connue, parce qu'aujourd'hui c'est une pellicule qui a déjà 34 ans. Aujourd'hui, la HP5, Ilford la vend comme une pellicule panchromatique, donc noir et blanc, à ISO 400, avec un grain fin et un contraste moyen. Bon, c'est bien d'avoir parlé de l'histoire, de la théorie, mais maintenant on va aller dehors, tester cette pellicule, voir ce que ça donne, et on va débriefer après de ce qu'on en a pensé. C'est parti.
J'espère que ce mélange de mes deux passions, la photo et le longboard, t'aura plu et que ces photos t'auront plu. Je les ai prises pendant un contest de longboard à Lausanne et si tu veux en voir plus de ce contest, le mois prochain je devrais sortir une petite vidéo résumée de notre week-end en contest longboard à Lausanne. Bon, comme l'annonçait Ilford, la HP5 Plus c'est une pellicule avec un grain fin et surtout un contraste moyen. On pourrait d'ailleurs trouver que ce contraste moyen donne une teinte assez grisâtre aux photos, mais au contraire ça fait une très bonne base de travail pour ceux qui souhaitent l'agrandir. Ça laisse notamment une très grande latitude d'exposition, que ce soit dans les ombres ou dans les hautes lumières, car ni les ombres ne sont bouchées ni les hautes lumières cramées. Autrement, si ton but c'est pas forcément de faire de l'agrandisseur et que tu souhaiterais avoir une pellicule contrastée directement, personnellement ce que j'aime bien c'est la pousser la pellicule, donc l'ajouter à des ISO plus élevés que son ISO nominatif. Perso, j'ai déjà fait à ISO 1600 et 3200 et j'ai toujours été très content des résultats. Bon, on arrive déjà à la fin de cette première vidéo d'une série de 24 vidéos. Si elle t'a plu, pense à t'abonner. Et surtout, oublie pas de mettre la cloche pour pas rater la prochaine vidéo. Et nous, on se retrouve demain dans une nouvelle vidéo. Allez, à plus!